La réplique de la grotte Cosquer à la Villa Méditerranée a ouvert ses portes aujourd'hui au public qui a répondu présent à l'appel. Des plus petits aux plus grands, l'émerveillement était au rendez-vous. Les impressions sont très primaires, voilà, à l'image de ce qu'on a pu découvrir cet après-midi. C'est très émouvant. La reconstitution est extraordinaire et un monsieur nous demandait, puisque c'est aujourd'hui l'inauguration, si tout était réussi. Et oui, les commentaires sont calés avec ce qu'on découvre. Et c'est, ouais, je le redis, c'est très émouvant. On s'y croit, on est plongé 35 000 ans avant. Bah, je préfère, j'ai cru que c'était en Amérique, en Tunisie. Je sais pas, c'est pas à Marseille. C'était trop bien. J'ai rien à dire, c'était trop bien. J'ai adoré, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Cette reconstitution était magique pour moi. Ça m'a plus déambulé à notre guise, mais sinon l'audio est vraiment bien. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment à voir au moins une fois. Hein, parce que je trouve que ça c'est quelque chose qu'on verra peut-être plus jamais. Hein. Très réaliste. Très intéressant, le système de petits trains qui tournent sur lui-même, ça rend les choses très dynamiques. Et c'est passionnant, c'est très fascinant de voir en fait les mains, les dessins qu'ils ont fait, de savoir que des hommes il y a 30 000 ans ont pu faire ça. C'est très joliment fait, la déambulation est très intéressante. Très surprenante, très intéressante, effectivement, ça tend pas trop à ça. C'est vrai que ça manque un peu d'interaction, par contre, d'être assise tout le temps. Mais bon, en tout cas, c'est très intéressant. Ça nous projette à travers l'histoire et c'est très sympa. Mmh.